Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec l'épisode 7 de Pokémon. Et comme je disais au live, on avance plutôt lentement pour le moment. Je suis déjà allé là, je crois. Je sais plus, je crois que je suis déjà passé par ici. Donc on va faire évidemment l'arène de Carmin-sur-Mer qui va nous permettre de dompter des Pokémon à un niveau plus évolué. Oh, tu fais quoi avec ton Magikarp, frérot? Il paraît que certains Pokémon préfèrent te porter plutôt que te suivre. Ça doit être trop cool d'avoir un Pokémon qui peut te transporter sur l'eau ou dans les airs. Yes. Ok, go. Salut, champion en herbe. L'arène de Carmin-sur-Mer est juste ici. Si tu veux atteindre l'entrée, il te faudra trancher, bien évidemment, le tronc de cet arbuste qui empêche d'avancer. Eh oui, terrible arbuste qu'on a là. Mais je vois que ton Pikachu s'y connaît déjà en bûcheronnage. Vas-y, essaye de trancher. Ah, non. Et gros, quand tu regardes autour, Persian aspire de grandes bouffées d'air iodé. Quoi? Mais gros, c'est quoi ce délire? Cet arbuste sans pouvoir être coupé. Voilà, Pikachu, ça dégage, ça. La racaille. Alors là, je suis scié. C'était du travail de professionnel. Maintenant que ton petit partenaire a tranché l'arbuste, il ne te reste plus qu'à partir à l'assaut de la reine. Ok. Vas-y, je crois en toi. Ok. Oh, j'ai trouvé un truc. Mais pourquoi il est content? Il est débile, c'est étonnant. Persian est carrément bluffé par la technique de tranchage de Pikachu. Ouais, c'est vrai que ça bluffe tout le monde, en fait. Je pense que tout le monde est bloché, bloché par ici. Oh là là! Oh merde, j'ai oublié de soigner mes Pokémon. Ok. Très très bien. Ça sent pas bon. Je t'attendais, champion en herbe. Ouais, on m'appelle Mister Survolté. Ok, c'est électricité. Pokémon électrique. Ok. On va mettre Pikachu en ordre. On va mettre Pikachu... non, Pikachu, qu'est-ce que je raconte? On va mettre Carabaf en premier. Voilà. Ok. On va aller soigner nos Pokémon parce que je crois que... il y a Herbizarre qui a pris sa part. Après... mais non, mais je suis totalement débile. Mais non, c'est pas Carabaf qui... c'est Herbizarre, justement. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi du peu. Ben oui. Je vais pas mettre un Pokémon, non, je vais me faire arracher. Attends, faut couper à chaque fois, frère. Voilà. Ok. Aucun arbre me résiste. Ok. Normalement, alors... il avait Raichu, je crois. Mais là, vu que le jeu est simplifié, je pense qu'il aura que deux Pokémon. Ou un seul Pokémon. Je sais pas. Il faut voir. Il faut voir. Là, je soigne un max déjà, ça sera pas mal. Ok. Merci d'avoir attendu. Votre équipe a retrouvé la santé. Eh, la santé d'abord, comme on dit dans le milieu. Magic ce soir? Non, pas ce soir. Pas ce soir, pas ce soir. On attendra un petit peu avant de reprendre Magic. On en a fait beaucoup en 2 semaines quand même. Comme eux-mêmes. Ah, mais les gars, putain, s'il faut couper à chaque fois, c'est terrible. Voilà. Putain, ça pousse super vite, hein, les herbes dans Pokémon. Hein, c'est terrible. Ok. J'arrive. Vous allez goûter à mon Herbibi. Non, c'est pas Herbibi le meilleur. Si, c'est Herbibi le meilleur, normalement, contre l'électricité. C'est l'herbe. Normalement, je devrais tous les one-shot. Magnéti. On va essayer sur Magnéti. Oh, il est énervé, Magnéti. Allez, vas-y. On va faire une petite attaque pour l'instant, Fulian. Des familles. Pour voir ce que ça... ah, niveau 22 tout de même. Hein. BAM! Ouais, c'est le sol. Ouais. Ouais. Ok. Et j'ai pas de Pokémon type sol. Ça va être très long. Ça va être très long. Sinon, feu. Ouais. Ok, hop. Voilà, redonne-moi la vie. Hop, ça dégage. Feu, ouais. Je pense qu'il y a plus de chances qu'avec feu, je fasse plus de dégâts. Ok, on va voir.
On va partir sur un reptin. Aïe, aïe, aïe. Je m'y attendais. Et avant pas. Compliqué, hein. Magnétique éclair. En plus, niveau 22, c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que le boss de l'arène, il doit être niveau 25. C'est pas si mal, c'est pas si mal. T'as la grotte auto-piqueur à côté. Bah ouais, je vais aller faire ça. Je vais aller choper un ou deux Pokémon de type sol. Mais Ah, c'est chiant. Oh putain, de merde, ça marche bien. Attends, ça m'a l'air bien efficace tout ça. Tu West avec Flamèche. Ouais, je pense qu'on va faire ça, on va garder ça. Ok, Harold. Désolé, Harold. 1300$, je prends. Très bien, on va pas se prendre la tête. Reptintin. Déplacer à la place d'Herbibi. Allez, go. Non, mais je peux forcément y arriver avec les Pokémon que j'ai. Mais c'est pas le plus optimisé. Oh, c'est quoi son haut-parleur, gros? L'antenne, elle fait... Voltorb. Oh, il y a deux Pokémon, lui. Très bien. Ok. Normalement, ça devrait le faire. Putain, il proc... Il a priorité sur moi. Ah! Oh, putain. Là, il est mort, normalement. Ça va. Allez, ça dégage. Ouais, ça, c'est... ça tue, mais ça fait des dégâts critiques, normalement. Ah, bah oui, ça sert à rien que j'utilise Flamèche, il n'y a plus personne. Non, on va continuer. Dis-lui que son parleur est pas branché. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le fil, il traîne par terre. Ok. Ah, putain, il a la priorité. Ah, mais là, s'il se sacrifie, ça va me coûter... ça va me coûter un rein, cette histoire. Il va le faire, il va le faire, il va le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, super potion. Ok. Météore, tiens donc. Oh, c'est mignon, des petites étoiles. En vrai, peut-être combo griffe, hein, ça peut... Ah non, je sais pas. Je sais pas. Ok, on va continuer. Ok. Bon, je suis paralysé. On va faire un petit aller-retour. On va vaincre... J'ai pas envie d'affronter le vieux. Ça donne pas assez d'XP. En vrai, la capture donne beaucoup plus d'XP. Je pense que c'est une perte de temps d'essayer d'affronter le vieux à droite. Il va... À part donner quelques pokéflous, ça va pas étouffe. Merci mon petit Thibaut pour ton 11e mois. Déjà 11 mois et ça continue comme ça, la bise. Merci mon frérot. Apprends tunnel à un Pokémon, B-Boy. Est-ce que j'ai la CT? Là est toute la question. Ah putain, tunnel, c'était stylé en plus. Mon Pokémon, il disparaissait de l'écran et il revenait que le tour d'après. J'avoue que c'était grave stylé. Ok, go. On va finir comme ça, et après on ira dans la suite, dans la grotte. Par contre, j'avoue qu'utiliser tranchage à chaque fois, j'avais pas souvenir qu'il fallait l'utiliser à chaque fois. Il me semblait que ça disparaissait sur Game Boy, non? Je sais que par contre, il fallait l'apprendre à un Pokémon, et c'était très très chiant. Ok. Après, en vrai... Eh, ça ne coûte pas plus cher, regardez ce qu'on peut faire. C'est dans quoi? Boîte CT. Yes, tunnel. On va l'utiliser sur Salamèche. Il a pas... Enfin, sur Reptincelle, pardon, parce qu'il a évolué. On va pas... Vu qu'il a pas de... Il a pas d'attaque super intéressante, je pense qu'on va le mettre à la place de rugissement. Ça pourrait être pas mal. Et là, c'est terminé, ça va être du one-shot. Hein. Pourquoi tu n'utilises pas ton Mew?
Je sais pas, j'ai pas envie de... Il est niveau 25 au niveau de la Pikachette. J'ai pas envie que ça soit trop facile, tu vois ou pas? Donc voilà, c'est mon Pokémon sûr. J'adore un Mew, faut savoir que c'est mon Pokémon préféré. Je vais vraiment le up niveau 100 et tout. Mais voilà, c'est pas... Hop. Merci mon Guigui, 52 400 pour ton 9e mois. Qui nous dit juste bonsoir. Merci mon Guigui, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Il a quoi comme attaque Mew? Mais justement, il a rien pour l'instant. J'ai deux attaques. Oh putain, je suis obligé de le battre. J'ai deux attaques claquées. Genre, il y a un public. Les mecs, ils attendent à chaque fois qu'un dresseur se pointe. Mew, c'est clairement mon Pokémon sûr. Ok. Anatole, le gentleman, veut se battre. Allez, c'est parti, les gars. Ok. Bon. On va essayer tunnel. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Damn. Damn, damn, damn. Boum. Ouf. Effectivement, c'est super efficace. Ok, cage éclair, c'est très très chiant. Très bien. Flamèche des familles. Flamèche des familles. Ok, c'est très très chiant ce que tu viens de faire. Putain. Je casse les couilles, Pikachu. Antipara. Tu vas pas me reparalyser derrière quand même. Abuse pas. T'as quel âge? Non, ça va. Ok. Il casse les couilles à lui avoir redonné toute sa vie, putain. Voilà. Ah oh là là. Non! T'as quel âge? Putain! Pas grave, on en rachètera. Casse les couilles, hein. C'est bon, il a pas utilisé de soin, c'est déjà pas mal. Un petit... Voilà. Ça dégage. Les petites racailles comme ça. Allez. Putain, il était chiant son Pikachu. Il était très très chiant. Boum. Hop, un niveau, mon pote. Niveau 23. Ça, ça dégage. Le reste de l'équipe a gagné des points d'expérience. Vous avez battu Anatole, les opticiens. Ok. Désolé pour tous ceux qui s'appellent Anatole. C'est vrai que c'était très méchant. Je comprends pas, là, le projet, là, en fait. Voilà. Ah, d'accord. Ok, putain. J'avais oublié les énigmes. C'est une poubelle bleue. Les petites énigmes qu'on adore. C'est une poubelle rouge. Il a mis des verrous doubles partout. Voilà un indice. Le deuxième interrupteur est forcément devant. Derrière, à gauche ou à droite du premier. Attention, il faut que tu aies appuyé sur le deuxième directement après avoir appuyé sur le premier. Qu'est-ce qu'il raconte, putain. Découvrez les toutes dernières énigmes. Ok, je vais cracher le morceau. Je pense qu'il y a des interrupteurs dans les poubelles à côté de la poubelle rouge. Attends, il a dit je pense ou je pense pas? Je pense pas. Donc y'a rien à côté de la poubelle rouge. Tu ne comprends pas les interrupteurs? T'as regardé dans la poubelle qui est à côté de la poubelle bleue? Oui, non mais ça j'ai compris gros, mais Ok. Yes, comme par hasard, c'est... Oh, un bouton au fond, c'est dingue. Ok. C'est quoi lui son indice de merde? Le deuxième interrupteur est forcément devant, derrière. Ok, je sais où il est le deuxième.
Parce que l'autre, il avait dit qu'il n'y en avait pas à côté de la rouge, donc il est forcément là. Allez hop, ça dégage. Et ouais, mon pote. Merci, mon psyche. 76 pour ton 18, j'aime moi. Un mois de plus, merci, mon frérot. Et ben voilà. Alors, Paul de Street Fighter, on a changé de jeu ? Ici, on pose son barda et on se prépare au combat. Ma parole, un rookie qui débarque. Tu oses me défier avec ton petit niveau ? T'as pas froid aux yeux, soldat ? Qu'est-ce que tu crois ? Les combats Pokémon, c'est la guerre. Compte tes dents, tu vas morfler. Et ouais, je fais une voix hyper badass et ça, ça fait plaisir. Quelqu'un veut me tester, peut-être ? Allez, go. Je vais lui faire des tunnels dans sa... Bref. Je te fais pas de dessin. Major Bob. Allez, Major Bob. Voltorb, go! Il a 3 Pokémon. Avant, ils en avaient au moins 5, putain, les maîtres de... Ok, Voltorb. On commence au Kamzer. Oh mon dieu, un mur de lumière! Je m'en fous, je passe par en dessous. Augmente la résistance de l'é... Ok. Hop, je disparais, hein. Yes. Allez, ça dégage. Putain, niveau 25. Je crois qu'on va devoir sortir le Mew, les gars. Ok, il va utiliser tonnerre. Ok. Ça commence à me coûter cher, cette histoire. Non, il n'y a personne. On voit bien qu'il n'y a personne. Ok, un mort. Ça me fait peur. Je sais pas, il y aura qui après. Magnéti. Ok. Bon, je suppose qu'il a Raichu. J'espère qu'il a Raichu. Allez, go. GG pour les 1 an. Imcase, merci mon frérot. Je t'ai jamais fait de don, mais je te soutiens comme je peux. Mais hey, c'est déjà énorme, mon frérot. Merci, merci à tous pour les subs, les resubs et tutti quanti. Ça fait extrêmement plaisir. Grâce à vous, on est à 1000 subs d'un nouveau record, d'un world record. Non, pas du tout. Mais on va y arriver petit à petit, peut-être. Et peut-être pas. Tout peut changer très très vite. Bah alors, Luna ? Luna, elle ouvre la porte au cap. Oh, je suis mort. Ça dégage. Ok. Commence à me coûter cher cette connerie. Ça va commencer à me coûter cher cette connerie. Quelle erreur j'ai fait, mais bon. Ouf. Mille subs d'un nouveau palier, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que j'ai eu, comme je disais hier, Nishi, j'ai eu un mois extraordinaire au mois de septembre, forcément, parce qu'il y a eu le nouveau système d'offres de cadeaux, et vous avez régalé de ouf. Et donc, bah là, on est à 1000. Allez, on verra, peut-être qu'à Noël, on pourra s'en rapprocher, je sais pas du tout. Je verrai, avec les petits cadeaux que je vais faire ou autre. Continuez sans changer. Karabaf, il va prendre sa part. Oh putain, la queue qu'il y a. Oh, c'est le premier truc qui m'a... Niveau 26. Aïe, 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 aïe. One shot, hein. Regardez. Et ouais, la racaille, ça dégage. Ben ouais, mais putain. Ok. On va sortir Miu Miu. Oh non, je pense pas, je pense pas. Non, parce que d'ici Noël, ça va tomber. Mais on verra, on verra. On verra comment je vais procéder. Est-ce que je mets une petite barre de sub-goal, entre guillemets? Mais c'est ce que je dis. Le problème de la barre, c'est qu'elle est un peu buggée, entre guillemets. Elle peut que monter. C'est-à-dire que ça ne compte pas les des abos. Enfin, les gens qui ne renouvellent pas ou autre. Donc, elle peut que monter. Donc, si je mets une barre à 1000 en objectif, bah ça va peut-être se faire en 2 semaines. Mais sauf qu'en 2 semaines, il y aura eu des abos entre-temps. Donc... c'est un peu chiant. Allez, météore. Je sais pas comment je vais pouvoir le battre, celui-ci. Si, des petits météores comme ça. Esquive-moi ça, Mew, hein. Yes, de plein fouet. Bon, allez, on va se la donner, Raichu.
Pas ouf. On verra, je cours pas après, les gars. Vous avez déjà créé un mois de septembre incroyable. Grâce à vous, il y a eu 3... Il y a eu 7 nouvelles émoles, pardon. On a franchi 7 paliers au mois de septembre. C'est juste fou, les gars. Jamais j'aurais pu penser ça, entre guillemets, possible. Donc, soyons heureux de tout cela. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui demandent le retour des émotes. Je pense que Nani, le Nani de Noël, disparaîtra après Noël. Et il reviendra que Noël d'après. Je suis paralysé, ça c'est très chiant. On va tenter le météore quand même. Putain. Ok. Yes, ça passe. Non ! Allez mon Pikachu. On va montrer que t'es plus fort que ton évolution. Allez go. Non, je remettrai pas la version sans le bonnet. Je la remettrai pas parce que le problème c'est que vous voulez le retour de deux émotes. Et si vous voulez le retour de deux émotes, il y en a une qui va devoir disparaître. Donc je pense que Nani Noël fait partie d'une émote qui va disparaître. Ok. Et ne reviendra plus. En tout cas pas avant Noël prochain. Vous voulez tous celui Mr. B-Boy avec les yeux écartés avec... Enfin voilà, les yeux qui pétillent. Et je sais plus c'est lequel. Et un autre aussi. Mr. B-Wow. Ouais, et il y avait l'autre. C'était lequel? Mr. B-Wow, le vrai. Ouais, mais voilà, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde, les gars. Sauf si on arrivera à franchir une nouvelle étape, Inch, comme on dit. Là, il y aura de la place forcément pour son retour. Tout en gardant celui de Nani. Allez, c'est fait, les gars. Bon, pas évident, mine de rien. On a fait les malins, mais pas évident. Pas évident. Ok, quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi mérite de recevoir ceci en bonus. Une dédicace de Bob. N'importe quoi, frère. On sait jamais. C'est quoi, cet air déçu? T'attendais autre chose? Ah, je blague, soldat. Tiens, cadeau. Ok, tonnerre. Ça, c'est bon, ça. Même si je l'ai. Mais bon, toujours bon à prendre. Ça dépote à 10 000 volts. Alors, faut savoir que c'est pas le nombre de volts qui tue. C'est l'ampérage. Ok. Ah, pourquoi ça me demande de secouer? Pikachu, il est content. Eh ouais, Pikachu. Pikachu est fier. Il essaye d'attirer votre attention en faisant de grands signes. Quoi? C'est quoi ça? Ah, d'accord. Ok. Tu veux quoi? Tu veux des câlins, tiens? Non? Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas le numuso? Voilà. Voilà, Pikachu. Hop. Voilà, ça dégage. Hop, c'est pas mal. On va lui donner une petite baie des familles, tiens. Allez, graille-moi ça. Très bien. Et ben voilà, les gars. Dédicace de Bob, il voulait dire boobs. Allez, on se casse. Oh putain, c'est chiant d'utiliser cette technique tout le temps. Faites un petit effort, voyons. Et après, on ira voir Manu aussi. Enlève la vieille tête de Bloody. Mais enlève pas mon Nani. Mais oui, mais les gars, j'aime bien Nani aussi, mais on peut pas tout avoir. Ondine ! Tiens, salut la forme. C'est bon, tu as gagné contre Major Bob. Toutes mes félicitations, tu progresses à grands pas. Laisse-moi chouchouter un peu ton équipe. Elle l'a bien mérité. Oh. Vas-y, régale-nous, hein. Hein, ce que je fais ici? Je vais piquer une tête dans la mer, pardi. Les piscines, c'est bien beau. Mais on en fait vite le tour, si tu vois ce que je veux dire. J'aime bien varier en allant profiter des vagues. Et toi, tu vas où comme ça? Tu as fait un tour dans la grotte Topiqueur, en fait? Si tu ne la vois pas où c'est, je peux t'y emmener, ça te dirait? Allez, vas-y, on dit. Ça me fait plaisir. Super, en route? T'as raison, B-Boy, sur l'intensité, donc l'ampérage, tu es vraiment le boss. Bah, les gars. Eh, j'étais là, j'avais des cours en électrotechnique, j'étais le boss, en fait. Elle a été nommée ainsi... car elle a été creusée exclusivement par des topiqueurs. Bon, allez, moi, je file. Amuse-toi bien. Ah, d'accord. Tu m'as fait... Ouais. Elle a fait 4 mètres avec moi, les gars. Ouais, je t'emmène là parce que mon grand-père, il est là, il est mort. Ok. Oh,
monsieur Mime? Je l'ai ou pas? Je sais plus. Ok. Ah putain, il me faut des Pokéballs, je crois. Bon. Ok. Je pense pas l'avoir. Il va sortir un faux sur. Hein. Ouais, ouais, putain. Ça y était presque, mon cul. Ok. Ok. Ouais, mais putain, c'est dangereux. Comment on va pouvoir le capturer tranquille? Fait chier. Je sais pas s'il est rare. Faut enlever la Mister Bibloo. Et là, MRB tire. La nani, elle doit rester. C'est quoi la Mister B tire déjà? Mettez-le dans le chat. Oh, super! Dans le bide. Yes! Non, non, la boucherie SR. Non, non, la boucherie SR. Ah, la tire à balle réelle! Ah non, SR, SR. Non, 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 SR. SR, la clip SR, la ban SR. Non, 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 là honnêtement. Non, je suis pas spécialement d'accord. Là, il y a pas mal d'émotes que vous citez qui servent, vraiment. Je les vois dans le chat. Pas tout le temps. Mais jusqu'ici, j'ai retiré celles qu'on voyait quasi jamais. Donc, Foul, on peut l'enlever. Ouais, à la limite. Quoi? C'est qui est venu m'agresser? Mais casse-toi, frérot! T'es qui, toi? Ce pourri pique mes couilles! Pardon. Allez, rentre là-dedans. Le soupir, pas ouf. Ouais, à la limite, le soupir. Full screen ou soupir? Non, 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 je suis pas d'accord. Celle-là est nulle. Christina Cordula, elle est tellement stylée, je trouve, putain. Moi, les gars, sans déconner, je la trouve grave stylée. C'est pourquoi déjà? Mais c'est pour la tête qu'elle a, regardez la tête qu'elle a. C'est Christina Cordula, c'est ma chérie, c'est la bosse en vrai. On peut se séparer d'un bras sinon. Non, c'est chiant. Bloody ou Trizo? Garde son cul, ça suffit. Vous êtes des bâtards. Perso, on a failli perdre l'équilibre, quoi. Ok, je suis jamais venu ici. Je suis jamais venu ici. Et il y a un max de dresseurs. Pour un max de plaisir. Ok. Je suis jamais vu dans ce coin. Il y a des Pokémon intéressants à choper ou pas avec un parfum ou autre? Merde! Si vous voulez, après, on parle... Oh, Topika. Ok. Ça, c'est chiant. Il va... Oh, putain, niveau 26, sa mère l'hippopète. J'ai pas ma place ici, moi, les gars, encore. Hein. C'est pour plus tard. Hein. Quoi? C'était séisme? Wow! Daniel! Ouais. Ok. Ah non, c'est abîme. Wow! Et gros, c'est une blague ou quoi là? Sale bâtard, tu vas spammer tes attaques de merde là? C'était abîme, ça one shot, mais ça passe quasiment jamais. Il me l'a fait deux fois, c'est passé deux fois. Ah bah putain.
J'ai pu l'éviter, en même temps je flotte, c'est normal. Putain, heureusement que j'ai Mew, hein. Malade ou quoi, lui? Putain! Il n'y a que 30% de chance de réussite, t'as pas de chance. Bah ouais, mais les gars. Apparemment, c'est l'histoire de ma vie, hein, dans ce jeu. Hein. Dans tous les jeux du monde, d'ailleurs. J'ai jamais de bol, les gars. Comme disait Oncle Benz. Pas de bol. Ok, super repousse. J'ose plus avancer, là. Ils sont méga chauds, ici. Attendez. Ok. Ça, c'était pour aller où, ici, là, déjà? Ça menait où? Attends. Attends. Pourquoi il y a... Attends, sac. On va regarder la carte. Elle est où, la carte? C'est la carte. Elle est où, la carte? Elle est là. Ok. L'avant-ville. Ah, yes. Et là, après, c'est par Manu. Ok. Bon. Wouh! Ok. Là-bas, clairement, c'est... Faut que j'aille au tunnel. Puisqu'Ondine l'a dit, je vais me soigner avant. C'est la merde. Hein. Chaîne de Levenard. Les gars, on en fera de la chasse. Je vous le promets. De la chasse au Shiny. Mais... Pas tant qu'on n'a pas fini le jeu. Il me faut le truc pour le juge IV. Il me faut plein de trucs encore. Et quand on a fini le jeu, tu peux aussi augmenter tes chances d'avoir plus de shiny. Allez, go. Ouais, non, mais j'ai compris qu'il avait de la chance. Mais apparemment, les gars, moi, oubliez pas que dans le jeu, j'en ai pas, en fait. Enfin, dans tous les jeux, j'ai pas de chance, en vrai. Genre, vraiment, tu vois. Allez, go. On va save au cas où, hein, je vous le dis. Voilà. Bon, on y retourne. Alors, attendez. Niveau équipe. Ok. Allez, c'est pas mal. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il paraît que ce sont des topiqueurs qui ont creusé le tunnel. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai peut-être retiré mon persian, là, c'est chiant. C'est chiant parce qu'il me fait aller à des endroits où j'ai pas spécialement envie d'aller. Comment on va faire? On va faire ça. Et je vais... On sort qui de la Pokéball, les gars? Un petit Reptintin paraîtra mieux. Merci, billet violet. Merci pour ton quatrième mois, mon frérot. Sub by Playchou, tu connais. Allez, go. Ouais. Périm-pum. Oh, regardez, quand ils se baladent, ils sont trop mignons. Miskin, j'en prends. J'en prends un ou deux, c'est sûr. Quoi? Ah, j'ai cru qu'il se barrait. Hop. Oh, bah, il a mis un coup de tête. GG, gros. Ça, c'est but, hein, en équipe de France, hein. Chier, putain, vous allez pas commencer à tous me faire chier. Vous allez rentrer dans vos putains de Pokéball, les gars. Elle est forte, le haut-parleur de la Pokéball. Et ben voilà, on est bon. On est bon. Allez, Topiqueur, c'est fait. On va essayer de capturer tous ceux qu'on voit. Désolé, c'était un test. Ben, c'est pas grave, Calvin Aldo. De toute façon, il y a quelqu'un qui a ce vibe tout à l'heure. Allez, go. Si tu parlais de ça. Ok. Ça, j'ai déjà nos Nosferapti. Pas intéressant. Quoi? C'est quoi ce bruit? Oh, Topika. Faux chaîne en 25, hein, c'est ça, hein? Non, 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 c'est... Ça sert à rien là, vraiment on ne gagne rien. Qu'est-ce qu'il y a? J'avoue qu'un petit trio piqueur ça me ferait plaisir. Voilà.
pas intéressant. Je sais pas si c'est possible d'en choper un. Allez, parce que Pikachu a bientôt un niveau en plus. Oh, c'est beau ça. C'est 31 la chaîne. Ok. Voilà mon pote, Persian aussi, mais Persian s'en bat un peu là. Hein. Mais au moins Pikachu, c'est pas mal. Ok, combo capture 2, impeccable mon bro. Très très bien. Un petit trio piqueur les potes, ça serait cool. J'y crois pas trop, je vous avoue. Est-ce que vraiment il y en a au moins? Il paraît qu'il existe une grotte encore plus sombre que celle-ci. En même temps, en gros, grotte... Mais non, putain, vous m'avez pas fait sortir ici, d'où Jésus? Ah si, pour aller voir le professeur. Tu te souviens de moi? Je suis l'un des assistants de professeur Chen. Quelle chance de tomber sur toi! J'ai justement quelque chose d'éblouissant. Ah, c'est quoi? Mais pas ici. Il nous faudrait un endroit plus sombre. Retrouve-moi à l'intérieur. What? Ok. Ah, je suis content que tu sois là. Il faut absolument que tu vois ça. Avoir des années d'efforts, je viens tout juste d'avoir une illumination. J'ai enfin réussi à découvrir la technique secrète lumière. Je vais te montrer, mais d'abord, il faut éteindre la lumière. Voilà, il fait tout noir, c'est parfait. Alors, il suffit de faire le vide dans son esprit, respirer profondément, ressentir le monde autour de soi pour que même l'obscurité la plus profonde fasse place à la lumière. Ok. Tu as vu ça un peu? Ça t'embouche un coin? Ouais, t'as appuyé sur un interrupteur. Pas besoin d'électricité pour y voir clair, il suffit d'avoir une force mentale à toute épreuve. Mon aura inonde la salle de lumière. Tu veux que je t'apprenne comment faire? What? Oh, ton Pikachu veut apprendre ma technique secrète? Il connaît déjà tranchage. Ça alors? Je comprends mieux pourquoi le professeur Chen disait que ce n'était pas un Pikachu ordinaire. En tout cas, ça promet d'être intéressant. Voyons voir. Il n'y avait pas ça sur Game Boy, si? Vite-toi bien, V-Boy. Vas-y, je fais le vide, les gars. Merci, Albator 693, mon 10e mois. Ouais, c'était Flash. Voilà, c'est ça. Et ben voilà. Oui, mais avant, et tranchage, c'était coupe. Ils ont rename. Ils ont rename. C'est terrible. Terrible. Ton Pikachu est décidément un vrai génie. N'hésite surtout pas à faire appel à des techniques secrètes. Très bien. Et ben voilà. Hop, il a quoi dire à part regarder le calendrier là depuis 2 heures. Ok, bon, j'ai compris. La grotte d'Azuria. Très très bien. Oh, mais il est partout celui-ci! C'est bon, l'assistante est insomnie à technique secrète lumière, tu gères. C'est pas toi qui l'as pris, c'est Pikachu, c'est fou quand même tout ce qu'il sait faire. En tout cas, je connais un coin où cette technique pourra bien te servir. C'est pas loin, tu veux que je t'y emmène? Allez, allons-y ensemble, qu'on rigole. Il va m'emmener à 2 mètres, ce bâtard. Waouh, tu m'emmenais où, gros? No joke? T'es le boss? Grotte sombre, si tu continues tout droit. Comme son nom l'indique, bah c'est une grotte. Où on ne voit rien du tout. Ok. La grotte sombre, c'est le trou de balle à loulou. C'est à peu près ça. Attendez. Normalement, on est retourné en arrière. Ouais, clairement. Ok, et ça va me permettre d'aller où, cette connerie? Attends, on a quelque chose là-haut, déjà. Je suis pas allé. Si, j'y suis allé. Yes. Donc là, on va pouvoir aller sur cette route. Qui mènera grotte sombre. Centrale abandonnée. Oh, il n'y avait pas Elector là-bas? Centrale abandonnée. Et après, normalement, c'est l'avant-ville, non? Oh yes, l'avant-ville, c'est la ville que j'attends le plus. C'est la ville, l'ambiance là-bas, elle était ouf. Elle faisait stresser de ouf. L'avant-ville, vaut mieux pas que ta Game Boy s'éteigne quand t'étais à l'avant-ville. Hein. T'étais pas bien du tout, mec. Mettez-vous à l'époque, putain, je jouais et je devais avoir quoi, 8 ans? C'était un délire.
Ok, un petit nid. Oh. Allez. Deux jeunes japonais se seraient suicidés en écoutant la musique de l'avant-ville. Oui, mais ça, c'est les trucs creepy de l'époque. Il y a eu tellement de trucs creepy comme... c'est là, l'avant-ville qu'on va voir normalement s'ils l'ont remis. Est-ce qu'ils l'ont remis le fantôme qui parle de son maître qui est mort ou de l'âme de je sais plus quoi, là. Et en fait, dans certains Pokémon, apparemment, tu vois, et dans Pokémon XY, j'avais été jusqu'à le voir, parce que c'était vers la fin, tu vois justement un fantôme. Mais après, c'est des trucs creepy. La musique de l'avant-ville, elle foutait le bad de ouf. J'ai hâte d'y retourner. Merci mon Yad. Yad 2278, bon, dans quatrième mois. Hop, ça, ça dégage. Ouais, c'est un ectoplasme. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. J'ai hâte d'y retourner à l'avant-ville, là. Ah, c'était la mère de Osley. Oui, je crois que c'était la mère d'un Osley. Non, c'était que le crâne d'un Osley, je crois. Et il disait qu'il y avait un Pokémon dedans, un truc comme ça. Un ossature. Je sais plus. Continuez sans changer. Merci le Père Noël. Oh, le Père Noël, il est même là le vendredi. Oh, waouh, joyeux Noël, nouveau sub, nouveau jour. Pour cela, il faut me dire quel autre let's play, à part Fallout, B-Boy n'a jamais fini l'histoire principale. Plusieurs réponses sont acceptées. C'est juste une question de rapidité. Ouais, j'en ai pas fini autant. Enfin... Je les ai tous finis quasi, hein. En 90% je les ai terminés. Donc un autre... Oh putain, lui il va me faire chier. Zelda, j'ai jamais dit que je partais sur un let's play, pour ma défense. J'ai jamais dit que je partais sur un let's play complet. Me semble-t-il. Wow, gros, tu m'as sucé mon énergie spirituelle. Merci mon... One Acid, merci mon frérot. Wannabe. Is anyone another one? Ok. On y va. Bon, par contre, je vais lui mettre quoi à celui-ci, là? Shadow of the Colossus. Portal 2. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein? Watch Dogs 2. Ouais, Watch Dogs 2, c'était sur la chaîne secondaire. On peut m'excuser, les gars. Ça, ça peut être pardonné. Putain, il est résistant, lui, hein? Casse les couilles, hein. Crevez, oui. Bah, les gars, je vais vous dire la vérité. Pour moi, Breath of the Wild était une déception immense. Vraiment. Hop, ça dégage. Tellement surcoté. Et je suis fan de Zelda, les gars. C'est un type flamme, fallait un Pokémon de type feu. Oui, je sais, alors. J'ai juste la flemme de changer, en fait. Non, il a été tellement... ah ouais, non, tellement décevant. Il est bien. C'est un bon jeu. C'est un mauvais Zelda. C'est ma version des choses. Et pourtant, je peux vous dire que des Zelda, je les ai tous savatés. Tous. Il n'y en a pas un que j'ai pas arraché. Hein. C'est le seul putain de Zelda que j'ai pas fini. Même celui sur Wii, Skyward Sword, j'ai eu le... J'ai pioché dans mon âme pour le terminer. C'est pour dire. Attends, je me colle à lui, voir s'il n'y a pas une Pokéball. Bah alors, mon étincelle. Oh putain, il y a une Pokéball. Allez, go. Super potion! Enfin, mon M. Ah, t'as fait tété. Mais non, mais tu l'as depuis longtemps, fraté, le M. Après, voilà. Chacun ses goûts, encore une fois. Attendez. Votre Pokémon... On emmène qui, les gars? Gilet jaune TV. On emmène qui? Qui on peut emmener? Mew? Encore? Bah, il est déjà niveau 26. Eh, peut-être Pikachu, hein, en vrai. Hein. Peut-être Pikachu, hein. Ça me paraît pas mal. Allez, on va s'arrêter là, les gars. Tu pourrais... tu penses qu'il est bon présenter la nouvelle play à l'E3 2019? Ils seront pas là, Sony. Donc, ils ont... Tu peux... Enfin, tu l'auras pas, quoi, de présenter.
On va s'arrêter là, on va changer de jeu. Les potes, en tout cas, c'était très cool. Très très cool.